Moya. Je suis en face du tunnel Jefferson. L'entrée est bloquée. Donc vous allez devoir trouver un autre moyen d'y entrer. Vous devriez essayer le complexe de l'autre côté de la rue. Il faut trouver un moyen d'ouvrir la porte. C'est parti. Ce n'est pas possible. Mon cher, mon délicieux Cole, tu rentres enfin à la maison. Je me languis de toi, depuis si longtemps. Boucle-la! Je sens l'amour qui est en toi, qui ne demande qu'à être extirpé. On va s'amuser comme des petits fous. Ne dites pas qu'il n'y a pas de responsable. C'est à me gonfler. Enfermés dans des cages. Ils se font asperger de cette substance noire par des machines. Faites-la sortir de là. Ensuite, occupez-vous de Sacha. Avec joie.
Tu crois peut-être que je la vois pas, que je te vois l'exhiber comme une vulgaire Jézabel. Je vois tout maintenant, Kessler. Absolument tout. Bordel, c'est quoi ton problème ? Oh, espèce de sale traître. Arrête ton cinéma. Tu te crois plus malin que les autres. Vrai. Je vais te faire payer. Dieu est témoin. Chérie, une amie du temps, des embouteillages. J'ai pourtant dit de ne pas prendre le pont. C'est toujours bouché la nuit. Change-toi, on va au restaurant ce soir. Mais si je te le dis, gros bisous. Je rêve. Arrête d'essayer de m'embrouiller. Continue. Smoking, je t'ai sorti et j'ai fait une soupe avec les os des voisins. Tu veux écouter? Maintenant que je l'ai neutralisé, on va enfin... Oui, encore. Ne bouge pas. Merde. C'est dans le monde. On a passé notre temps au lit. Oh, toutes ces choses. Toutes ces promesses. Ferme-la, bordel! Pourquoi Kessler? Pourquoi tu l'aimes, elle? Je te jure que je vais la tuer. Et je me baignerai dans son sang. Espèce de dingue. Bon sang. Bordel. Tu ne sais pas vrai. Bien sûr que non. Mais tu découvriras la vérité bien assez tôt. Et tu pleureras comme un bébé. Mais tu vas crever, oui! Tu n'auras jamais le dessus, Cole. Regarde-moi. Regarde ce que ça m'a fait. Cette chose nous contrôle. Sacha était déjà une merde avant l'explosion. Mais maintenant que je la regarde, est-ce que mes pouvoirs vont me rendre comme elle? Un esprit détraqué dans un corps malade. C'est ça mon avenir. Et j'y pense. Elle sait tout sur les premiers fils et leur métasphère. Si je veux me sortir de ce trou à rats, je vais devoir la faire parler. Tout de suite. Ils ont agi vite. De la fumée, partout. Sacha a été emmené. Qui que ce soit, c'était des pros, entraînés pour ces opérations. Pas le temps de penser. L'eau coulait de partout et l'endroit tombait en miettes. Sans me retourner, j'ai avancé dans le bourbier du dédale. Qu'est-ce qui s'est passé?
Natacha est morte. Non. Je lui ai flanqué une grosse raclée, mais des types masqués ont débarqué et l'ont emmené. Ils ont éboulé le tunnel. C'était sûrement le premier fils. Avec un peu de chance, il aurait pu rendre son compte. Ouais, j'espère en tout cas. Bon, il n'y a plus de courant dans le quartier et j'arrive à peine à marcher. Je vais réactiver la sous-station la plus proche. Zek, décroche. Salut vieux, et t'étais où, bon sang ? C'est une longue histoire. Je voulais juste te dire que j'étais dans le dédale. Le dédale ? Oh bordel, c'était déjà un taudis avant l'explosion. J'imagine même pas à quoi ça ressemble maintenant. Ça s'est pas arrangé, c'est sûr. Je te rappelle quand j'aurai trouvé un moyen de rentrer à la maison. Fais gaffe à toi, vieux.